Salut les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Nous serons en présence de Tomaki pour faire le camo secret, le camo serpentine sur DMZ. Vous savez, c'est le nouveau camo qui a été ajouté en saison 5 rechargé, qui est un petit peu caché entre guillemets. Il a un craft spécial qui se constitue en 5 étapes où vous devrez en fait aller chercher des objets pour craft un dit objet, l'amener sur une autre map avec cet objet et plus 3 autres craft un autre objet, plus avec l'objet restant, ainsi de suite, craft un autre objet, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, vous connaissez déjà sûrement, j'ai déjà fait des précédentes vidéo dessus. Eh bien, j'ai reçu un petit message de Tomaki me demandant de l'aider pour lui faire le camo, pour lui faire découvrir tout ça. Et du coup, nous avons été en game ensemble le découvrir avec un mate à moi en plus également. Et du coup, voilà, ça a donné un petit duo stream assez sympathique, un petit stream squad assez sympathique sur Twitch. Ça a plu aux gens, ça nous a plu à nous également. On s'est bien régalé, on s'est bien amusé. Et puis, c'était la première fois qu'on joue ensemble d'ailleurs avec Tomaki. Pourtant, on se connaît depuis l'époque du zombie, ça fait un moment. C'était fort sympathique. Je vous laisse regardez la vidéo, kiffez, je vous ai mis toutes les actions importantes, donc que ce soit les fights, les crafts, etc. Parce qu'on n'a pas fait que craft et se cacher, hein, on a fight aussi, tout ça, on a bougé, on a fait également quelques missions, mais ça on vous l'a pas mis, sinon c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et peut-être qu'on en refera à l'avenir. Bon visionnage. Si ça marche pas les téléphones, faudra peut-être passer sur navigateur, je sais pas. J'ai pas les deux POV, c'est juste en dessous du stream. S'il y a des joueurs, on les fume hein. Moi je suis pas du genre ouais. À faire dans la dentelle. Ah ouais, dès que je vois une team de joueurs, c'est comme un requin, tu vois. Après... Je ressens la nécessité de les éliminer. C'est normal, on est tous comme ça. Y'en a à droite. Là c'est des joueurs. Après. Allez, hop. Après c'est risqué de tout le temps y aller, hein. Attention hein. Ouais, voilà. Alors. Hop. Ouais parce qu'en fait j'ai pas d'AR. T'inquiète. J'ai pas d'AR donc je suis un peu con là. Surtout que j'ai qu'une seule plaque. Là, je commence à me jeter au fond. J'ai le T3 au fait. Tiens. Oh. Juste là. Ah merci. Un mort. Yes. Ils nous font le plaisir de nous rush. Putain mais c'est bien aimable. J'en ai craqué un. Il y a un sniper. Sur la gauche. En dessous de toi Anto attention. Je pense que c'est rez-de-chaussée frérot. Allez il m'a pas connecté une balle. C'est tellement bon ça. Oh ils sont à dégueuler, qu'est-ce que j'aime. Il y en a encore. Allez donne-moi tout ce que t'as toi. Il est crack. Il est là derrière. J'ai plus la visu. Trop mignon, ils sont en train de nous demander un coup de main là. Bah, t'inquiète pas, je te le donne le coup de main. Ah le team up ici, ça fait que ça. Oui mais je trouve ça horrible. Ouais ouais bah de toute façon ça. Il est mort. C'est horrible. Ok GG. Bah il y a eu deux teams. Allez super. C'est bon, deux teams d'éliminés. Voilà, désolé, j'ai fait un petit caprice là. T'inquiète. Ah, t'inquiète. Attends, ce serait super sympa que je trouve un type qui a une AR parce que là, avec. Vas-y, vas-y. T'as la traîne, Malo, hein, franchement. je suis déconne. C'est la première fois en un an qu'on me dit ça sur DMZ. là là. T'inquiète. On saura lui dire quand il sera dans le noir, perdu. Non, en vrai, ça va. Va. J'ai pas trop de mal à me diriger dans le noir, étonnamment. Tu voudras des lunettes ou pas? Pour la qualité, le confort oui, du stream. Bah ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, quand même. En vrai, ouais. Yes. Allez, allons-y. C'est bon, on n'a pas perdu nos armes. Formidable. Alors ça, c'est un c'est un bug assez drôle. Si tu perds tes armes, c'est parce que tu mets des camos d'accessoires sur tes armes. Des camos d'accessoires. Ouais, en gros, tu sais, tes accessoires peuvent avoir des variantes de camos. Ouais. Je sais pas si tu savais, mais et du coup, bah c'est ça qui fait. Ça m'est arrivé une fois, mais je mets pas de camos d'accessoires sur mes. Ok, alors peut-être que tu mets deux camos, genre une variante plus un camo dessus. Ah, non, j'ai la réponse à ça. Thomas. Ou l'Orion. C'est l'Orion. Ou peut-être l'Orion. Pour avoir fait l'Orion. Ah, c'est l'Orion. C'est bugué. Ah ouais, non, je peux enlever mon Orion, tu rigoles ou quoi? Ah, il fait bugger l'arme aussi. Ouais, ouais, il y a beaucoup de bugs sur DMZ. Ouais, bah c'est pas le mode le plus joué donc ça m'étonne pas que ce soit pas forcément réglé dans les 15 minutes quoi. Ouais, il y a des choses ils sont même jamais réglées. Ah bah ça m'étonne pas, quand tu regardes les patch notes, tu vois jamais DMZ. Tu vois global, warzone, multijoueur. Ouais, DMZ t'as 3 lignes. C'est compliqué. Wesh. Bah c'est la barrière. Y'a pas un bail où on avait besoin d'ordinateurs? Si, les ordinateurs d'Alcatala. On en a toujours besoin? Oui, oui, il nous les faut. Ouais. On trouve là-dedans. Ok. J'imagine que t'en as un là? Merde.
Non, non du tout. Okay, okay. Mais d'habitude, il y en a un par ici. Ouais, c'est dans la petite salle annexe. J'ai ouais, j'en ai un là. Ouais, bah j'ai l'autre. J'ai le deuxième. Hop. Bah super. Putain, les gars, vous êtes solides. Hein. J'ai de mon côté deux batteries et deux câbles de parfait. Démarrage. Ok, c'est good. Faut les mettre là. Tenez, prenez des plaques. Ah ouais, je suis carrément chaud. Petite le. Bon, on va les dropper sur les bottes. Petite lunette. Putain, j'espère que. Ah ouais, ouais, des lunettes. Attends, on va les avoir sur les bottes là. Ok. 5, 3, 8. Le chat est attentif. Oh là là. J'ai la même. Attentif que moi, j'avais même pas calculé ce que c'était quoi. Je te laisse l'entrée. Allez, 5, 3 et 1 bon. Ok, 8. Ils sont pas trompés, ça va. Alors, c'est bon, il faut c'est que... bon, on peut faire confiance au chat. Il faut que tu prennes la perceuse juste ici. Voilà, parfait. C'est pour le premier craft. Et okay. On va aller chercher un troisième PC d'Alcatala juste là-dedans. Ça c'est une zone L2, il y en a il y en a 4. C'est moi. Ouais, on en a un chacun nous. Merde, j'ai trop fait des claques. Oh putain, elle mais là, il y a pas besoin là. Là tu peux. Tiens, alors, il te faut manque alors tiens, deux PC, il manque. Oui. Il te faut les PC. Il faut un grand sac par contre, je peux pas tout avoir yes sur moi. On peut pas acheter de sac là. Tu peux pas drop le tien, non? Non, je peux pas drop, il m'en faut un autre pour pouvoir le drop. Bah au pire c'est toi qui craft alors à ce moment là. T'as un grand sac. Comme tu veux. Tout par terre, vas-y. Je te donne l'objet. Hop. Alors tiens, faut pas la mettre sur le tapis. Ça peut bugger. Et voilà, voilà. Première étape. Lancer une huile pour arme. Nickel. C'était l'étape la plus compliquée dans le sens où il faut la damas, mais après t'es tranquille. C'était l'étape la plus simple. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'elle est, toi, elle est relativement simple. Donc, les gars, nous venons de craft l'ancienne huile pour armes au craft de cochet. Donc, on a fait le chlore, la perceuse diamantée, la plaque damas. On l'avait déjà prévu d'avant, évidemment. Je ne voulais pas la faire en stream parce que sinon c'est trop compliqué. Si on fait d'une façon normale, legit, on va dire, c'est trop long. Essayer de trouver un joueur qui l'a, c'est trop long, trop rare. En plus, le peu de joueurs qui arrivent à faire des damas ne la sortent jamais. Donc c'est trop compliqué. Du coup, on la duplie. Donc pour la duplie, bah, c'est simple. Vous la faites de vous-même. Vous lancez en parallèle avec un pote. Il vous tue, il vous la prend. Vous lancez avec quelqu'un d'autre pour qu'il vous réa. Comme ça, vous l'avez encore. Et lui, il l'a. Et ça en fait deux, quoi. Ça la duplie. C'est la meilleure façon de faire. Ensuite, on partira du coup sur le mélange de l'artificier. Donc le craft d'Ashika. Donc là, il faut 204$. Donc attention, parce que... Vous savez, sur Ashika, ça chasse beaucoup. Et s'il y a des tracks et qu'ils prennent une track, ça tombera forcément sur vous parce que vous avez les 200$. C'est vous qui allez avoir le plus de thunes. Moi, c'est good, les gars. J'ai expliqué un petit peu ce qu'on devait donc, faire. Donc, faudra faire attention. Je suis chaud d'y retourner. Comment on fait? Je peux pas, oui. Je peux pas changer mes ajustements sur mes armes, là. Non. Contrebande. En fait, il faut okay que t'aies les emplacements assurés pour ça. Ouais, je les vois. Derrière ça. Ah merde, mon bouton ping marche pas. Un crack. Ouais, ils m'ont chevé. Ah. Salut, je te suis. Ok, il est là, les gars. Il craque encore. Il est à terre, je dans la flotte. Le dernier est dans le bateau. Il est crack. Hop, régalez-vous. Non. Hop, c'est réglé. C'était des Français. Ouais. Mais Bernard, mais c'est impossible. Je te dis que c'est impossible. Oh là là, quel régal. Il shit lui là, il shit, je reconnais là. Ça va trop vite pour nous, Bernard. Oh, une frappe. C'est ouais, quoi mais... ça? Statue de chat. Alors c'est des crafts d'Ashika, c'est pour des améliorations passives. D'accord. Jette-la au sol, tu vas voir. C'est sympa. Ok. Mets-la au sol. Vas-y. Ouais, j'ai énorme. Ah, je m'attendais à un tout petit truc. Ouais, ça surprend tout le monde. C'est pas mal. Ok, on a 3 mecs au Beach Club. Il a envie de taper la discute, lui. On a 3 mecs au quartier résidentiel. On les tue tous, comme ça on peut faire notre canard. Oh, y'a pas le... l'artificier. Faudra relancer une game. C'est une game buggée. Bizarre. Ah, l'enfer. En vrai, venez, on relance tout de suite pour gagner du temps. On aura l'occasion de se refight après.
Ok, comme tu veux. J'avais pas fait gaffe. En fait, y'a des bugs. C'est quoi, c'est un truc, c'est un bot qui spawn dès le début de partie et là il est pas là, c'est ça? C'est ça, c'est un boss, ouais. Et là il est pas là. Depuis la saison 5 rechargée, y'a des problèmes sur ça. Y'a des games où ils sont pas là. Je suis dans la game. Je suis en écran noir, moi. Ah ouais, je suis dans la game et vous êtes en écran. Vous êtes pas chargé dedans? Ouais, oh, c'est ça. Oh, j'espère que vous avez pas perdu le stuff. Moi, je suis en spectateur sur toi, là. Mais non. Ouais, je suis pareil, je suis en spectateur sur toi. Mais non. Mais j'ai écran noir sur toi, en fait. Je vois rien du tout de ce qui se passe. Je me disais bien que c'était bizarre, les lancements de game. Bon, bah... Qu'est-ce que je fais? Je quitte la partie? Non. Non, 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 non. Attends, je m'extrais. Parce que ça se trouve, tu vas perdre le stuff. D'accord. Parce que là... J'ai pas accès à mon inventaire, j'ai accès à la map mais pas à mon inventaire. Eh ben j'espère qu'on a pas perdu, sinon faut falloir recommencer. Ça va. Hop. Et là on va atterrir directement dans le château alors qu'on a pas... Exactement. Ah c'est bien chiqué ça. Ouais c'est pas mal. Alors par contre faut une clé évidemment pour ouvrir. Soit une clé du château, ah bah oui. Soit une passe-partout. Et toi du coup tu l'avais toi? Ah oui d'accord, ok. Attends. Ok c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des pièges. Je l'ai pris dans le cul là. C'est des pièges. C'est ça en fait, j'ai une passe-partout et je peux tout ouvrir. Ouais bah lui mais ma passe par trou là. J'arrive. Ok CG. Ah bah nickel. Vas-y viens, je te laisse la prendre ton bas. Ouais c'est derrière. Alors c'est derrière toi. Derrière toi. Là dans les casiers. Et dans le casier cassé de droite. Elle est où la clé? C'est ouvert. Là. Non j'ai ouvert, casier droite. Ah nice. Ah parce que t'avais déjà la clé en fait au préalable. Ouais. Ouais je savais déjà. Ok. De toute façon on est gavé de passe partout, on peut tout ouvrir. Ouais bah ouais j'imagine bien. Comment ça s'obtient les passe-partout? Alors ça se craft, pareil c'est en troc. Là il y a deux strats, sur Almazra soit il faut une CG et deux lingots. Et sur sur Vandel il faut 3 autoréas, 3 gilets et 3 et un lingot. Et tu les troques en fait. Il est là. Ok j'ai le tournevis, on est good. Parfait. Eh ben, on peut aller craft. Ouais. Ouais, tiens, tu peux le craft là-dedans. Normalement, t'as tout. Ah, il me manque l'argent. Ah oui, tiens, pardon. Hop, hop, hop. Je vais appeler l'exchange dans un cas. Yes. Dans le troc. Allez, c'est good. Parfait. Donc là, on a été validé la troisième étape. La deuxième. Le mélange de l'artificiel, on vient de faire. Et on va attaquer la bah troisième. Pour moi, après sur Vandel. Pour moi, l'étape 1 c'était la clé d'Amas, donc je. Ah! Je la compte comme une étape. Ah, ouais. Oula, oula, oula! En soit, c'est pas une étape, oh, ça fait partie du premier craft. Je vais mourir, hein. T'inquiète, t'inquiète. Les bots sont un peu vénères. Hein. Vas-y, y'a combien d'étapes? T'as 6 non? Joueur. Oh non, je suis mort. Je suis à terre aussi. Ma pied va peut-être les tuer et me tuer avec. On est tué un. Ah merde, il m'a tué aussi. Bon, ils sont plusieurs en taux. Attention au bot en taux, t'as plus de vie. Je crois que tu les as tous tués un peu. Ah non. Non. Aïe aïe aïe. T'as un kit? Non, c'est fini. Non, non, j'ai pas, je l'ai déjà pété. Aïe aïe aïe. Et tu les as tous tués là? On était en fantôme pourtant, non? Tout le monde était en fantôme. Ah non, on a plus les fantômes. Bah non, là, les trucs sont cassés. Eh oui, putain. Là, il faut que quelqu'un vienne nous aider, c'est ça? Ah, t'avais la valise sur toi, j'ai pas vu. Okay. Oui, j'avais la valise. Non, c'est pas grave. Bah là, on est mort, là, c'est fini. Non, mais en vrai, y a bien une team qui va venir vouloir récupérer la valise, non? Faites une demande, on verra bien, mais ça m'étonnerait. Je sais pas faire la demande. Faut rester appuyé sur F. Oh, il a l'air perdu. Oh. Rez, oh, us, I beg you on my knees. Ah ils ont pris la plaque. Ah mais ils sont déjà au moins 4. Ils sont peut-être 6 hein. Ah il m'a rez. Oh. Sérieux? Ouais. Il me rez. C'est moi je te rez. Ah oh, on est full. Ouais c'est pas grave, prends son monstre. Ouais mais du coup il m'a pété mon truc non? Je l'ai. Bien vu. Je suis à terre, okay, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas te dire. J'ai cru en attendre une réponse. Oh non. On s'en fout, si t'arrives à récupérer bon. Le bazar, c'est pas grave. Ouais, je l'ai.
T'as récupéré le truc artificiel là? Ah oui, on est 6. Putain, c'est pour ça. Ouais, je l'ai, je l'ai. Tap, tap, tap. Super, voilà. Oh la chance. Ah bah tiens, je te redonne. Je te redonne ceci. Et le mélange. Voilà, monsieur. Tu suis des bots ou des joueurs là, Anto? Non, non, t'as là, c'était des bots. C'est des bots, mais les joueurs doivent pas être loin là. Ouais, voilà. Ouais. Là. En bout de piste. Il sort du trou, il est à gauche. Il est crack. J'ai crevé, j'ai crevé. Je suis pas derrière. Oh F. G. Et ben voilà. Et ben écoute, horrible ta M13. À longue distance. C'est parce que t'es clavier souris, c'est pour ça. Oui, je suis clavier souris. Ah, t'as trop de recul là. Bah, c'est pas que j'ai trop de recul, c'est que le recul visuel il est désagréable pour la manette quoi. Ah, ok. Ah, mais je vais te la rendre. Comme tu veux. Bah, je vais prendre ça d'Ashman de merde, comme ça au moins tu peux jouer ton arme. Comme tu le sens. Manette pour l'aim assist du coup que... Oui, bien sûr. Ok. Ah ouais, hein. Ouais, forcément. Ah ouais, hein. Ça aide. Tiens, si tu veux des plaques. C'est une catastrophe le. Ah, du coup, j'ai plus la veste fantôme, moi. Ouais, on va aller en chercher une. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Là on a tué un joueur, on va aller au shop, chercher un peu de plaque tout ça. Il va falloir s'éloigner. Voir s'il spawn le pire. J'arrive en toi. Il y a beaucoup de... Oh ouais ouais. Elle est catastrophique son arme. J'ai pris un 240. Ça c'est un joueur ça? Oh non, c'est un bot. Tiens, si tu veux t'acheter des plaques, t'as le shop ici. Une sacoche de plaques, tu veux dire? Ouais, ou des plaques tout court. Des moi, plaques tout court. Sacoche, la sacoche. 3 plaques quoi. Ouais, on va aller la chercher juste après. Ok, bah du coup, dans ce cas-là, j'achète rien vu que okay. J'ai déjà 9 plaques sur moi. Ok, ça marche. Vas-y, go prendre le véhicule. Ah bah, il a spawn le pire. Regarde ta map. Sérieux? Ouais, le shop portatif. Voilà. Alors, il y avait une info que t'avais pas sur le pillard. Si les gens font une demande d'aide et tant qu'ils sont en demande d'aide, le pillard ne peut pas spawn. Parce que du coup, l'entité est là, le joueur est là. Il faut que le joueur quitte. Et en plus de ça, si la team up et qu'il fait une demande d'aide et qu'après il quitte, le pillard ne spawnera jamais dessus. Il y a un bug avec ça. Bref, beaucoup de bugs. À droite. Donc il est là, ouais. C'est lui. Je t'ai aidé à le tuer parce que ton arme elle est merdique. Ouais, elle est vraiment dégueulée, frère, l'arme sur le coup là. Tiens, t'as un T3 là. Juste derrière toi. Oh merde, oui, non, je peux pas prendre le sac à dos, je perds l'autre. Ouais. Super. Et du coup, la carte de visite, elle a spawn sur le gars. Et là, si tu pousses une porte. Bon, mais du coup, il en faut deux. Ouais, on en a qu'une là, forcément. Bah, on peut pas en avoir d'autres là, du coup. Ils sont devenus inutiles. Du coup, en DMZ, tu tournes pas trop vite en rond? Bah, moi, ça va. Du coup, vu que... Oh, c'est vous, quoi, joueur. En tant que créateur de contenu, ça va du coup? Vu que je fais plein de trucs, mes tutos, machin, de l'aide pour la commu et tout ça, donc je tourne pas en rond. Et puis à chaque saison, rechargée, on Je veux dire, en termes de contenu sur le DMZ, tu tournes pas vite en rond? Non, c'est non. Ça ma question. Non. Ok. Attention, il nous snipe. Il y a des snipers sur le toit. C'est eux. Un craqué. Un quasiment down. Ça touche, hein. Ça touche bien, l'arme de merde. Ouais. Je leur ai mis une frappe sur la tranche. Ah, tu t'es mis à terre. Dans la maison. Ouais, alors j'étais derrière le bâtiment, quoi. Je me mets les munitions anti-blindage. Vas-y. Ça va aller les push, hein. Ils sont sur le top ou pas? Je sais pas, je suis en train de monter. Ouais. Non, je dirais qu'ils sont à l'inté. Ils sont sur le top. Oh, j'en ai craqué un, il m'a mis mal. Combien? Deux, j'en ai vu deux. Bien joué. Ok. Ils sont pas très fut-fut, hein. Non, c'était pas de très bons joueurs, c'est clair. Ah bah nice, une pied. Et donc, en fait, si tu veux, bien, pour comparer au BR, le BR, tu vois, tu lances une game, forcément, le but c'est top 1 à chaque fois, et voilà, grosso modo, sans dénigrer le BR.
C'est ça grosso modo. DMZ, tu peux faire plein de choses différentes. Tu peux faire du stuff pour tes persos. T'as vu, on a plein d'emplacements actifs. Tu peux stuffer tous tes persos pour avoir du stuff d'avance. Moi je fais mes missions, mes améliorations passives. Je les fais aussi pour la commu. Les missions, c'est pour monter les niveaux de tes personnages. Est-ce qu'il y a moyen de débloquer des skins, des trucs et des machins Dans les missions, t'as des récompenses, exactement. Les missions de faction, t'as des récompenses, tu peux avoir des skins. Mais à l'heure actuelle, ils sont tous nuls. Okay. Il y en a plus de bien. Ah. Il y a eu. Ah, parce que c'est temporaire à chaque fois. En gros, ils font des resets des fois. Et du coup, ils resettent les missions et les récompenses. Et il y en a eu. Le chimiste, là. Ah oui, mince, le chimiste, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, go. Il fallait qu'on aille faire le chimiste, ouais. Ouais. Il y en a eu deux de reset. Ah d'accord, donc c'est pas quand même pas méga fréquemment quoi. Non, en fait ils reset le mode quand ils changent tout. Parce qu'il y a eu des gros changements apportés et pour que ce soit fluide. Ils ont refait tout, les missions, les récompenses, machin. Okay. Mais chaque saison et chaque saison rechargée, ils rajoutent du contenu quoi. Des missions, des trucs comme ça. Il a été fait. Ah ouais merde. Bon bah tant pis. Il a été fait ? Ouais, il n'y a plus. Oh là, ils sont chiants les joueurs là. Et où le con qui l'a fait là? Ah attention, il y a des joueurs. On les sort. On va lancer des greux. Un craqué. La tourelle craque, GG. Fondateur, finissez tout le monde. Bien joué les gars. Alors ça c'est une traque de bot ça. Sur nous. Okay. C'est une super prime. Donc il y a des bots assez costauds qui vont venir. Ça c'est une chimère, je m'en branle. T'as un lance-grenade ici si tu veux. Y'en a pas un qui a une M13 là sans déconner. Lui il a un lance-grenade, tu peux t'amuser. Donc là les chats, si vous voulez, on va créer l'alcool de qualité. Donc on a le mélange de l'artificier sur nous. Le mélange de l'artificier, on l'a craft sur Ashika Island. Il fallait l'ancienne huile pour arme, le tournevis, la carte graphique, 200k$. L'ancienne huile pour arme, on la craft avant ça sur Koshei du coup. Dans le shop de Koshei, le shop basique, pas celui du commerçant, il fallait du coup un chlore, une perceuse diamantée, une plaque d'amas et trois ordinateurs d'Alcatala. Et du coup, ça nous amène du coup là à l'alcool de qualité. On a déjà les deux grands crus, les deux cartes de visite de pillard. On va aller chercher le chalumeau et on a le mélange de l'artificier forcément. On a juste à tuer le bullfrog, on prend son chalumeau, on craft l'alcool de qualité et boum, on passe au shop du commerçant sur Koshei. Alors évitez de rush des joueurs comme nous. On fait ça pour le fun aussi, pour le divertissement. Mais faut éviter évidemment. Si vous voulez pas mourir. Ok. Eh ben go au shop. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des plaques. La technique au début, c'est d'aller direct chercher du stuff. Oh, c'est plus facile comme ça. Oui. Bon, il est bientôt mort là. Alors, ouais, là, c'est moi qui est bientôt mort là. Ah! Je suis par terre les gars. Il m'est arrivé des galères. C'est l'explosion. Et t'as le chalumeau, il est là. Voilà. Hop, juste devant toi. Et du coup, alors attends, bouge pas. Hop, tac, c'est bon. Et bah, là, bien tu fais la valise, la valise, je veux la valise. Faut qu'on aille au shop. Vas-y, prends là. Je te la prends. Ouais, je te la prends. Alors, il discute. Troc, alcool de qualité. Let's fucking go. GG. Je vais me prendre quelques plaques. Une exfil hein. Le complexe, du coup. Vas-y, ça marche. Donc là, on a l'alcool de qualité. Donc, c'est ça. Il nous faut. Le gilet, médic. Il nous faut les trois gilets là. C'est ça. Médic, com. Ok, ça marche. Et la strat, c'est de le prendre dans le coffre de la perceuse diamantée, tu vois. C'est ça, ouais. C'est plus simple. Eh, vas-y, vas-y, go. Je suis chaud. Allez. Ah, tu sais quoi, on prend pas de batterie ni rien. On va direct à Almazra et on va taper la zone en face. Comme ça, s'il y a du joueur en plus, j'en connais un qui sera content. Oui. Tirer sur les bots c'est marrant, tirer sur les joueurs c'est très marrant. Ouais, je suis d'accord. Tu sais que c'est mal vu en DMZ hein. Je me fais souvent quelques-uns. Parce que les mecs sont à chier. Exact. Le truc c'est que tu m'as empêché d'exfiltrer ma batterie à 1000$. En fait le truc c'est qu'ils galèrent à effectuer leur mission de faction. Et du coup bah forcément si tu tues des joueurs et qu'ils voient que tu les tues, ils sont un peu grincent des dents quoi. Sont aigris. Oh bon après écoute. C'est le jeu hein, c'est un FPS hein. On est pas là pour faire des galins hein. En vrai garde-le pour la dernière game, ça nous aidera. Ouais, vas-y go dans le complexe. On peut le faire le Masto. Il va nous donner un drone amélioré. Il est là. Un drone amélioré en plus. Voilà. Vas-y, tu prends. Oui, il tombe vite sur c'est pas les Masto de Blacksite.
Si, mais c'est parce que. On a tous les trois du shoot quoi. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai l'impression qu'il est tombé si vite. Ouais, si, il a du shield et tout. Ça c'est un commandant, c'est le plus costaud. Il y a d'autres mastos, mais ils sont un peu moins forts sur Ashika. Ok. Ah oui, celui qu'il y avait dans le souterrain là, ouais, que finalement on n'a pas joué. Non, bah eux ils sont très nuls. D'accord, ok. Ils ont pas de vie. Ils ont pas de vie. Ils ont pas de meuf, ils ont rien. Ça pue la merde. Allez, go. Oh, ils vont voir trois malades mentaux leur dropper dedans. Ah ouais, bah ils sont pas prêts à chaque fois. Ça surprend. C'est fou. Ah, on a carrément ouvert la porte pour eux. Ouais, ouais, ouais. Bien aimable. Ouais, c'est ça. Comme ça en fait on veut leur batterie, leur câble, la batterie, le câble et on leur prend. Bah à condition qu'ils en aient. Bah y'a forcément dans ouais, cette ils zone. Ils l'auront. Allez, que la chasse commence. Ils sont juste là. Y'en a un à terre, hop. Face à vous là. Non, non, moi aussi je veux jouer. Ok bah je te le laisse. Regarde, il est derrière la porte le bot. Il est derrière la porte. Oh là, mais moi aussi. Ils sont tous à terre. Il était caché dans un angle. Attends, je vais l'exécuter. C'est tout. Là, tiens, t'en as un, Tomaki. Hop là. Salut mon pote. Ah ouais, non mais eux, ah ouais, c'était des bots. Lui, il est cadeau, lui. Bon. Voilà. C'est bien, écoute, le malheur des autres fait mon bonheur. Alto sketch. J'ai la batterie. Dans le wood, les gars, hein. Et j'ai le câble, on peut y aller. Alors, attends, c'était quoi déjà le bazar? C'était... Le A, c'est 4... Non, c'est 4, c'était le B. Ah, B, pardon. Et l'autre, c'est 0. 0, 4. 0, 4, blanc. Enfin, test. Tu peux pas avoir deux fois le même. Merde. Ouais, faut pas avoir deux fois le même numéro. Ok. GG. C'était bien dû. Hop, perceuse, récupérée. Donc la perceuse, pareil, s'il y en a qui savent pas, elle dépop au bout d'un certain temps. Environ à 15 minutes restantes, donc faut pas trop tarder à venir ici. Ah, d'accord. Ça, ils l'ont peut-être pas tué, Malo. Je sais pas. Parce que, avec. C'est toujours eu moi la game, perceuse, à chaque fois. Il restait 7 minutes de game et elle avait pas dépop. Ok, bah alors c'est très récent le patch. Ici, t'as une porte, et si tu veux passer, il te faut la clé alternative. Et elle est juste là, la clé. C'est un cut en fait, pour aller plus vite. Ok, elle est où la clé? Elle est juste là. Posée ici. Derrière le sac. Okay. On peut repartir. Ça évite de faire le tour en fait. Super cool ça, comme petit truc. Ouais, il y a des petits tips comme ça un peu sur DMZ, c'est sympa. Ouais, c'est cool ça. Mmh. Franchement, tu vois, ça coûte que dalle, une échelle. Ça peut te permettre de contourner des joueurs, et... des trucs comme ça. Attends, en fait, ça, moi j'aime bien, ça, je suis un peu admiratif de ça parce que je suis en mode. Tu vois, il pense à des trucs cool. Oui. Okirina. Seigneur. Je m'y attendais. Ah ouais, parce que pour le coup, il est tombé vite là. Ouais. J'ai jamais fait tomber aussi vite le bazar. Hein. Non, mais ils ont pas beaucoup de vie sur DMZ. Ouais, ça doit être ça, ouais. 6 mois la dernière fois, j'ai pris. Ah. Eh bah, super. Bravo les mecs. Et bah, voilà, faut encore que je réanime toute l'équipe, moi. La glissade un peu trop longue. Hein. Le sniper, il est en face. Ouais, je déblaye un peu, hein. M'en voulez pas. Non. Hop, il est mort. Attention au piège. Hop, attention, il y a des pièges. Ouais, moi je l'ai. Putain, je prends dans le cul. Ah, ça, j'ai plutôt apprécié bizarrement. Il paraît que c'est meilleur. Hein. Oh non. GG. Ah, c'est pas moi. Si, si. Si, c'est toi. Non. Allez. C'est vrai qu'il n'y a pas de raid cette saison. Non, c'est fini. C'est fini. Il n'y en aura plus. Attention, il y en a encore un. Hop, hop, hop. Ouais, je saute par dessus là. Ouais. Hop. C'est calculé, hein. Tout est calculé, les gars. À chaque bien fois, sûr. C'est calculé. Hein. J'ai pas récupéré la clé. Ouais, je l'ai. Le... T'inquiète. Ah. Ok. Hop, tu peux mettre la perceuse ici. T'as le coffre ici, Thomas. Ah merde, oui, c'est là, pardon. Ouais. Bah là, tu sais que on récupère les gilets et c'est fini, hein. T'as le la crème pour les mains Black Seal. T'as l'objet le plus rare de la DMZ. Il restera ouais plus. Ouais. Qui vaudra 1000$. Il restera plus qu'à aller
sur Almazra avec une passe-partout, l'acide du chimiste, le carburant pour l'hélicoptère lourd et c'est fini, on pourra craft. T'es obligé d'avoir un passe-partout ? Ouais, alors par contre, elle est pas obligée d'être 3 utilisations, elle peut être une ou deux utilisations. Donc ça, ça va. La passe-partout, c'est dans le craft en fait, il faut l'avoir dans le craft. Comment tu fais pour dupliquer la plaque Damas déjà ? Alors, vous lancez... Alors celui qui a la Damas sur lui, prend un pote avec lui, faut que vous soyez deux minimum, et vous lancez en même temps avec quelqu'un d'autre que vous connaissez qui sera dans la même game, qui sera le tueur. Si vous avez la même game, alors c'est compliqué de trouver la même game maintenant parce qu'ils ont nerf un peu le truc. Avant on pouvait voir les numéros en bas à gauche ou discuter dans le chargement, dans le lobby, mais maintenant on voit plus. Donc faudra regarder le décompte de la game, s'il est synchro pour vous deux, faudra être en voc. Et s'il est synchro, hop vous lancez, vous rejoignez dans la game. Celui qui a la Damas se fait tuer par le tueur, donc celui qui est dans l'autre équipe. Okay, ouais, son collègue, ouais. Le tueur prend sa Damas dans son stuff quoi, dans son inventaire. Ouais. Et son collègue le réanime. Et du coup, il a encore la Damas sur lui, s'il va s'extraire. Et l'autre, il extrait la Damas avec un sac sécu. Et le tueur extrait la Damas avec un sac sécu. Ouais. Et voilà. Et ça aussi, tu vois, il faut que je. En fait, c'est quoi il faut... Là, on a du temps encore ce soir. Je sais pas si vous continuez le jeu ou quoi. Oui. Il faudrait que j'apprenne à faire des sacs sécu et un porte-monnaie. Vas-y. Wesh. La porte, c'est pas nous ça. Non, c'est ça, c'est les bots. C'est les bots. Oh, c'est dommage, putain. Les bots qui spawnent. Y'a pas de joueur, t'inquiète. Alors, tac. Voilà, tu peux l'ouvrir. Oui. C'est quelle note qu'il faut lire? Ouais, les notes là. C'est deux fois la même. Oui, c'est les mêmes. Ouais, c'est deux fois la même. Le craft change à chaque game. Ouais, j'avais compris, ouais. Ok, j'ai. Tu la craft? Bah, parfait. J'ai la pommade. Même pour les mains. Black Seal. Eh ben, on peut s'extraire. On peut y aller. J'ai une L2, on peut. Ok, vas-y, go en haut. Oui, alors. Alors, passe-partout. On peut pas vous. Ça se met en réserve, ça, du coup. Ça se met dans la réserve, ouais, avec les clés. Donc là, nous, on en a une. Donc on la prend. Ensuite, il te faut le car. Le carburant. Non, je pense pas que t'en aies. Si t'as pas fait de mission ou quoi, t'en auras pas. Non, non, j'ai des trucs. Clé de la maison flottante, clé de la gare centrale. Ouais. Clé du musée des beaux-arts. C'est sur Vandel, tout ça. Ensuite, du coup, il te faudra. Sur le cadavre d'un type. Il te faudra le carburant pour l'hélicoptère lourd. Donc ça. Il y a. Sur le train, ça. En BR, il y est. Alors, il y a plusieurs emplacements. Il y a un spawn fixe dans le train, dans le wagon bleu. Et t'as 4 autres emplacements, dont. Enfin, qui bougent. Il y en a que 2. Enfin, en gros, tu peux avoir 3 carburants au total. Un fixe dans le train. Et sur 4 autres emplacements, tu peux en avoir 2 également. De carburants par game. Donc 3 carburants par game. Donc mais attends. Du coup, nous, on en a besoin que d'un seul. On a besoin que d'un seul. C'est facile. Le train, ouais, c'est tranquille, ça va. Ça dépend. Allez, allons-y. Il y a des périodes où il est joué, c'est compliqué, mais là en ce moment c'est tranquille, il est pas joué. Ça dépend des spawns, ça dépend de plein de trucs. Si il est joué, ça m'arrange, c'est ça que tu comprends pas. je sais, j'ai bien compris. Je fais d'une pierre deux coups. J'ai bien compris. Et l'acide du chimiste, du coup, bah tu l'as en tuant le chimiste, tout simplement. Il te le drop. Bah celui-là, la particularité c'est qu'il a sa tourelle. Et ceux que tu trouves dans la map n'ont pas la tourelle. J'arrive même pas à ce menace élevée, ça veut dire qu'il y a des joueurs. Non, des bots. Mais non, une zone dommage. Une zone un peu coriace. Y'a aucune indication pour les joueurs. Dommage. Hop. Ok, il est là en face. Écoute, tu vas t'amuser là-dedans. Alors l'acide il est là. Ouais. Et il donne un droit d'améliorer. Ouais. Ouais. Je vous invite à vite bouger, on va prendre cher là. D'accord. C'est un peu la sauce là-dedans. Bah en vrai go check le fin, direct. Ouais, on va chercher. Ouais, ouais. Gauche. Ah le travel time horrible. Ouais. Ah putain il est full bug, c'est un enfer. Ok, il doit avoir pris le truc là. Hein. Il est tout seul. Bah le sac est bugué. Ah bah, il a pris le carburant. Y a pas l'essence. Ah bah il l'a pris. Bah, il l'a pris. C'est lui qui l'a pris, mais. Mais le sac est bugué dans le train. C'est pas grave, on va faire les autres emplacements. Nickel. En gros, c'est une note. Si tu tues plus de 6 opérateurs, t'as une track et t'es marqué sur la map. Et je t'invite à regarder à Rouen. C'est un cheat ça, non? Bah. C'est pas un cheat, mais bon, c'est pour éviter de tuer trop de joueurs en fait. Ils ont mis ça. Et regarde sur la map au niveau de Rouen, le cercle c'est les joueurs. Et donc, ça veut potentiellement dire que c'est un team up de 6. On a le carburant ou pas? Attends. On a le carburant. Ouais, le carburant, là, c'est bon. Carburant, machin, on a tout le craft. Quoi, là?
On a tout. D'accord, y'a que trois. Y'a que trois trucs. Non, la passe-partout. La passe-partout. On l'a. Je l'ai sûrement. Je te la passerai tout à l'heure. D'accord, faut que j'apprenne à en crafter ça aussi des passe-partout les gars. Ouais. Ouais. Ok non ils sont quatre. Ils sont en véhicule là. Ils ont pris un gel et tout. Ok, falloir qu'on soit solide les mecs hein. Ouais, c'est un peu risqué. Ils ont hein. Pas un gel, ils ont un véhicule de merde. Ils ont un véhicule de merde. Mais les autres ont un gel. Regardez, y'en a un qui traverse. Là. Lui là il est gratuit lui hein. Lui là. Écoutez. Allez, on est des hommes. Y'a le GL là. En face. Mort. Y'a le GL, regarde, tire dessus. Oh. Ah, c'est risqué hein. Attends, on a pris une frappe. Ah, fais gaffe, Tomaki, une frappe sur toi. Fais gaffe, Tomaki, t'as une frappe sur toi. Bien vu, je suis baisé, j'avais pas vu. Oh, c'est trop, ça écrase pas. Y'en a un là. Y'en a un, je mets à terre là, celui que t'as piqué là. Nice, t'as des balles. Ils ont, un lance-grenade, faites gaffe. Oh, ils m'ont mis tellement mal. J'ai plus de balles, les gars, j'ai plus de balles, il me faut des balles. Merde. J'ai plus de balles du tout. Je suis pas avec vous là. Non. Ouais, essaye de revenir vers moi, je te pose une boîte de mine. Mais ouais, mais non, mais je suis mort moi, les gars. Il me push, il me push. Life sur moi, 2. Ah ouais, il s'est autoréa. Putain, j'avais pas de munitions quoi. Merde. J'en ai retué un. Wouah, putain. Prends trop cher. Bien joué. Prends ton temps, toi. Sur le corps à Tomaki. Il y en a un qui est sur mon cadavre, ouais. Ah, j'avais dit risqué. Il a pas l'air de savoir. Il y en a un là sur le ping. Risquer ce fight. Recharge pas, t'as pas de pack là. Ouais. Ouais, te donne pas. Te donne pas. Oh, ouais, t'inquiète. Il vient de réanimer son collègue. L'area. Ah putain. Ils sont beaucoup. Hein. Voiture qui arrive. Il y a des joueurs qui arrivent à votre gauche. Nouvelle voiture. Ok. Arrête de repiquer ici, Anto. Tu devrais jouer ailleurs. Ouais, clairement. Drone explo, fais gaffe. Il est sur moi. Détruit. Il push, c'est votre moment. J'ai un explo. Push les pas trop. Je vais les explo. Fini, mec au sol qui s'autoréa là. Je les craque. Il se tue là redans, c'est pas fini. Ils sont dedans, ils sont deux au niveau de la maison là. Ils se tirent dessus, ils sont trop cons. C'est à toi. GG. Bien ça, bien, super bon ça. Super bon ça les gars. Attends, c'est pas fini je crois. Pas tous morts hein, je crois qu'il reste morts. Non, ouais. Non, pas tous morts. Son cas sur lui. C'est du. Il avait pas de smoke. C'est du fantôme, non. Shield de toi en tout. Ils sont loin, ça va. Tranquille, ils sont morts eux. Enfin, les gars, solide, hein. Très solide. Très bien joué, les gars. Ouais. Vous avez assuré, je me suis retrouvé comme un couillon, moi. Bah, ouais, bah t'inquiète. Bah, c'est le team up, hein. C'est compliqué, hein. À prendre 6 ouais. joueurs. 6 joueurs serrés. Et ils ont. Ils étaient pas trop nuls non plus. Ils ont envoyé des frappes, machin. Et en gros, ce craft. Derrière, c'est des joueurs. Joueurs. T'as de la route là. Traqué. Je l'ai pas fini. Il se raise, dans le véhicule. Craqué dans le véhicule. Une balle. Il est parti dedans. Dingue de fuir le fight. Jeu. Il se deck 2. Non, non, troisième qui se barre. Ok. Je le prends en chasse. Ouais, prendre le gros sac, moi ça m'intéresse pas, les gars. Je préfère regarder le sac, c'est cool. Il est où dans le véhicule? Dans. Derrière ça. Sur point, hein, sur point. Ok. Bien joué, les gars. Y'a le. Le pire. Oh bah. Oui, je me disais aussi, on a ping le shop, ouais. Ah, nickel. Les deux, ouais. Ouais, c'est le pire. Ouais, en fait, t'as les boss de DDoS maintenant. Les boss des DOS. C'est un bot. Avec une arme de joueur. La balle de snipe c'était un bot. Oui, c'est eux, les bots du sniper qui ont. Mais il est où le. Alors il doit être dehors. Prends la valise, ouais. Alors en gros, pour aller au shop de Zaya, t'as 3. Tiens, on vient de prendre une traque d'opérateur là par exemple. Ah bah ça c'est les joueurs, ouais. Pour Zaya, ouais, y'a. Tu connais ça, c'était l'event. Ouais, bah. Bon bah tu connais. Et bah dedans maintenant t'as le shop portatif en plus. Qui est là. Et ce camo là il est récent, le camo serpentine du coup, oui. Il date de l'event. Non, saison 5 rechargé. Après l'event.
Ah ouais, donc c'est vraiment Bah là, il y a deux semaines, je crois. Il y a 2-3 jours, là. Deux semaines, à peu près. La saison rechargée. Ok, ok. Hop. Bon, il y a plus qu'à attendre. Regarde, tu vois, tu peux pas l'ouvrir, là, si tu veux essayer. On va attendre la zone, mais la zone, elle est à côté, ça va aller vite. Beau gosse, hein. Et du coup, tu pourras... Mais c'est lui aussi qui spawn pas, des fois. Faut faire gaffe. Faut regarder. Sinon, t'es coincé. Il faut des sous ou pas, là? Non, 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 juste tu vas dans le troc dès que c'est accessible et puis voilà. Ok, tu vois, il y a des petits roule. Y a des petits malins qui peuvent t'attendre comme ça. Le chap, il est BG, ouais. Regarde. Avec des shotguns, putain, ouais. Ils, ça m'étonnerait pas. C'est cadeau. Hein. Ah ouais, ils arrivent. Ils arrivent, les joueurs. C'est la troc. Bon, restez là, de toute façon. Allez, chacun dans un corner. De toute façon, on va craft et on se barre. On les butera au passage. Allez, donne-moi mon camouflage, là. Allez. C'est parti, tu peux. Dans le troc. C'est good. Allez. Ouais, c'est good, j'ai tourné. Non, je suis passé à droite. Comment on part? Je me suis perdu. On peut passer partout. Hop. GG les gars, des GG dans le chat, on a le camo finalement. Là, bordel. Là t'as le camo. Ça y est. En vrai, first try. On va l'équiper à la next game. First try, mais first try, on a. Pas vraiment, moi j'ai essayé hier, j'ai raté. Ah oui, oui. On a eu le cul bordé de nous. On a failli perdre, aussi, ouais. Oui, oui. C'est la première fois que j'ai eu aussi chaud. Après, pour notre défense, ah, mais c'est bien, ça, on ça, a pas ça eu de chance. Challenge. Mais oui, ça. Et puis on a pas eu de chance aussi, beaucoup de bugs, pas les gilets, pas tout ça. Ça nous a pas aidé. Bon, on passe les ouais, tuer. Oui, c'est vrai. On a eu pas mal de bugs, ouais. Allez. Regarde, ils volent. Je peux même pas le ping. Mais non, des oiseaux! Une balle! Oh, il est trop nul! Ah, c'est trop passé ce jeu! Son collègue est encore en. Va Alex fuir, j'ai acheté. Tranquillement. Hop! Si son collègue est là-haut, on va le trouver. Si vous avez un drone, mettez-le. Non. Et il est au-dessus! Ah, bah oui! Il est crack! Voilà! Hop! Salut mon pote! Ça dégage! Bon, go à pied. Le véhicule il monte pas. On va s'extraire. Tu arrives? Ouais, voilà. Il a l'air de monter. Hein. Ok. Ouais, pas tellement. Hein. c'est compliqué ce véhicule. Allez, laisse tomber. Bon, on va faire ça à Panard. Mmh. Oui. Bon, écoute, c'était pas mal. Hein. 3 heures pile. C'est vrai, hein, 3 heures pile. Ouais, voilà, faut à peu près ça. En plus, on a tué pas mal de joueurs. En vrai, on a perdu du temps à aller chercher des joueurs. On aurait pu le faire en 2:30 à peu près. Mais on pouvait pas tellement moins. C'est pas un speedrun. Non. Non, puis de toute façon, faut. C'est une petite session de kiff. Exactement, puis le but c'était de te faire découvrir. En même temps, ta commu aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Il y a encore tellement de choses à découvrir, mec. Je suis choqué en vrai du niveau de contenu qu'il y a et dans ce mode là. Il y a beaucoup de contenu, hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est assez ouf, ouais. Tout le monde, tous ceux qui découvrent sont assez surpris et c'est satisfaisant parce que t'as des objectifs différents. Tu peux aller buter des joueurs, mais en même temps faire tes missions, avoir des récompenses. T'as des skins d'armes, d'opérateurs, des double XP, des passe-partout. T'as de tout en fait. Après, j'avoue que là, sur la saison, les skins d'opérateurs et d'armes sont nuls, hein, mais on en a eu des biens. Attention, le skin est choquant, âme sensible, s'abstenir. Moi, je le trouve stylé. Ok. Honnêtement. Ça va. Je comprends qu'il plaise pas. Oui. Mais c'est le prestige de le faire. Mais ça me va. C'est le prestige de le faire et tout ça, c'est sympa. Voilà. Un petit truc gratuit. Il est pas animé, je pensais qu'il était animé. Non, bah non. On dirait qu'il y a des petites taches d'huile dessus. Moi j'aime bien en vrai. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Ouais, c'est sobre. C'est un peu peau de serpent quoi. Non, c'est cool, puis ça met bien en valeur mes petits logos nucléaires là, tu vois. Ça flex. C'est clair. Ok. Et surtout, n'oublie pas, on est en live sur Twitch tous les soirs à partir de 18h jusqu'à à peu près 1h du matin. Et sur Kick juste avant de 16h à 18h. Tous les liens sont dans la bio.